Catherine Dubois, chercheuse dans le domaine de l'architecture. Je travaille actuellement à la Société québécoise des infrastructures et je conduis un projet de recherche en partenariat avec l'Ouranos et l'Institut national de la santé publique qui vise à développer une méthode d'évaluation de la vulnérabilité au changement climatique des immeubles dont la SQI est propriétaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que cela représente environ 350 immeubles répartis sur tout le territoire du Québec. Des palais de justice, des centres de détention, des bureaux, des laboratoires, etc. Les données issues de la recherche m'ont permis de répondre à la question suivante. Quels sont les dangers auxquels sont exposés chacun de nos immeubles? Car pour évaluer la vulnérabilité au changement climatique, encore faut-il savoir à quoi. Le contexte en Abitibi ou au centre-ville de Montréal est passablement différent. J'ai donc demandé aux experts d'Ouranos si certains événements climatiques qui ont déjà affecté nos immeubles étaient susceptibles de se reproduire, s'ils seraient plus fréquents, voire plus intenses. Les réponses qu'ils m'ont apportées m'ont permis de les intégrer dans mon évaluation des risques et surtout de me concentrer, moi, sur la relation entre l'architecture et les changements climatiques. Mon souhait, c'est que le jour où la méthode sera disponible, que d'autres gestionnaires immobiliers soient en mesure de se l'approprier et de pouvoir se prémunir contre les risques inhérents au changement climatique.